Eh bien, bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Je suis au Malzieu aujourd'hui. Et au Malzieu aujourd'hui, après les fêtes médiévales, eh bien, c'est la fête de la Deux Deux, puisque nous recevons, je crois, les amis de la Deux Chevaux, de la France entière d'ailleurs. Et nous avons ici le président que je vais vous présenter en quelques instants. Et c'est Didier qui va nous présenter tout ça. Bonjour Didier, ça va? Salut pote, ça va? Oui, impeccable. Alors, dis-moi un peu, qu'est-ce qui va se passer au Malzieu aujourd'hui? Ah, bah, aujourd'hui, on va accueillir plus de 120 voitures. Ah oui, quand même. 200 ouais. Participants. Avec trois sorties sur le département, trois rallyes différents, enfin trois roadbooks différents. L'Aubrac, Gorge de la Truyère et Margerie de Gorge de l'Allier. D'accord, et l'Aubrac c'est quand alors? C'est ce matin. Ce matin. Ils partent, donc ils vont passer à Bonnecombe, ils risquent de te revoir. Ah, l'après-midi je serai à Bonnecombe. Ah ouais. Mais ils vont passer là-bas, après il y a les Gorges de la Truyère, Garabille. D'accord. Et nous, les Gorges de l'Allier, ça finit à Nossac. D'accord. Nossac, les Bisons, Saint-Alban. Est-ce que vous allez faire des promenades avec les gens avec, Pas trop, parce que déjà, on est quand même assez complet. Ouais. Après, les gens vont venir, ils peuvent venir boire un coup, on peut les accueillir, on est là pour ça. Alors, il y a bien sûr la réunion, mais alors, je crois qu'on a le président, là, voilà. Il va nous parler un petit peu du côté solennel, donc Bonjour. Oui, bonjour. Alors, côté solennel, nous, on n'aime pas le solennel chez nous. On est le club des amis de la Deux Chevaux, donc effectivement on est accueilli avec plaisir et puis avec succès par nos amis de l'antenne Lozère et organisé donc sous la main de maître de Didier, on a déjà découvert hier soir ou cette nuit. Et donc non, on ne va pas faire que travailler, hein. Donc on est là pour découvrir la région, on est là pour faire plaisir à tout le monde et on est surtout là pour... Bah, profiter des copains. Alors vous venez d'où par exemple? Nous on vient de Paris. De Paris, carrément, ouais, en deux chevaux, bien sûr. Non, on est venu en voiture moderne. Ouais. Mais on remontera en deux chevaux, puisque j'ai ma deux chevaux qui arrive aujourd'hui. Là. Ah d'accord. Donc ma deux chevaux qui était garée à Montauban. Ah, oui. Et donc on a fait, on fait l'Assemblée Générale tous les ans dans un lieu différent. On a plusieurs antennes, donc il y a 10 antennes dans le club. Et chaque antenne se propose une année d'organiser l'Assemblée Générale. Là, donc on est au Malzieu. Au Malzieu, on a déjà ensemble vécu l'hivernal au début de l'année et qui a été une réussite que tout le monde apprécie. Et donc l'idée, c'est de se retrouver là pour redécouvrir, pour faire découvrir à tous ceux qui n'ont pas pu venir à l'hivernal, la région, le pays et puis les gens qui nous accueillent. Demain matin, on aura l'Assemblée Générale du club, mais c'est obligatoire de faire une Assemblée Générale, c'est pas le but complet du week-end de 3 jours. Voilà, moi, j'ai un truc à vous reprocher, c'est que vous m'avez donné le virus d'un deux chevaux, maintenant je suis à la recherche d'une deux chevaux. Ouais, mais voilà, Didier, il en a plein ses garages, les deux chevaux. Ouais, justement, il doit savoir te donner, une voiture. On y est dessus, on s'y penche. On y est dessus, comme il dit. Voilà, alors Didier, écoute, tu disais 120 voitures, les plus exceptionnelles qu'il y a là aujourd'hui. Ouais, il y a quelques 6 volts, des deux chevaux de raid. Après, des deux chevaux dans leur état d'origine, il y a pas mal de belles conceptions. Il y a de tout. Ouais. De toute façon, on n'est pas sectaire, on prend tout on ce est qui est... On n'est pas sectaire, on est surtout avec des gens qui aiment la deux chevaux et qui aiment rouler avec les deux chevaux. Ouais. C'est surtout ça l'important. Donc, mais on a très belle, on a un très très beau modèle, là, ancien dans son jus. C'est notre Jacques Tati à nous. Voilà, et très très belle voiture, mais on a aussi des très très belles voitures, même dans les deux chevaux modernes, donc ça c'est vraiment super. Alors là moi je voudrais... signaler la personne qui a cette deux chevaux là, le Perse Prolis là, parce qu'il a fait 42 000 km donc avec sa deux chevaux. Ouais. Ah mais Jean Meyer, on le voit pas, mais Jean Meyer qui est une figure du club. Ouais. Jean Meyer qui a été jusqu'en Chine, hein, puisqu'il a fait le Paris. 42 000 km il a dit. Ouais. Paris-Pékin. Et dormir dedans. Ah oui. Même à un âge avancé, il continue à rouler avec et à dormir dedans. Il est pas très jeune. Et sur ce modèle là, il a des portes. Il a aussi un modèle 4x4 avec lequel il a fait le Paris-Pékin. Il n'y a pas de porte, elle est ouverte. Ah bon? Ouais. Il ne pleut pas dedans on roule. Il m'a dit qu'il y avait quelques deux chevaux de collection. T'en as combien toi Didier? Moi là j'en ai 3 aujourd'hui qui roulent. 3 qui roulent. Plus la Mi Super et voilà. Bon, pour être au club, c'est pas obligé que la deux chevaux. Tous les dérivés de deux chevaux. D'accord. Ouais. La contrainte c'est d'avoir un châssis de deux chevaux. Et un moteur Citroën. Après, ça peut être de la Mi-8, de la Mi-6, de la 2 chevaux. On accepte même les LN. Les LN qui ont un moteur, la LN Visa, mais avec un moteur 2 chevaux. La Méhari.
La Méhari, bien sûr. Voilà. La Méhari, la K400 qui est la camionnette, l'Acadiane. Donc l'Acadiane qui est sur la base de la Diane, qui est la version utilitaire sur la base de la Diane. Les Tangara, les Qatar, toutes ces voitures-là. Et puis bon, les voitures un petit peu exceptionnelles, les Burton, les Lomax, c'est des voitures qu'on accepte aussi au club. D'accord. On n'est pas sectaire. Bon, mais je vais vous laisser parce que je crois que vous avez du travail. Moi, je vais faire mon petit tour et faire découvrir un petit peu. Et on se retrouve dans le week-end, il n'y a pas de problème, avec plaisir. Lundi matin, peut-être. Lundi matin au casse-croûte. Après, je m'en vais. Et je tiens quand même à féliciter notre animateur de choc, Didier, sans qui on ne serait pas là aujourd'hui. Et qui a quand même, depuis quelques mois, moi avec beaucoup d'ess, œuvré, et il passe énormément de temps. Donc je tiens à le féliciter. Merci. C'est vrai qu'on l'aime bien, nous aussi. Voilà. Merci. Allez, et bonne journée. À tout à l'heure. Voilà, bon, Jeannot, toi aussi, t'es un boulet. Laquelle c'est la tienne de voiture? Moi, j'en ai pas, c'est Didier qui m'en a prêté une. Ah, mais Didier t'en a prêté une. Ouais. Alors, ici, j'ai mon voisin là. Présente-moi ta voiture là-bas. Viens qu'on y va là-bas. Allez, alors, peut-être on te voit un peu à l'écran. Voilà, alors, ça c'est une voiture un peu spéciale, elle passe devant chez moi tous les jours. Et moi, on a l'impression qu'elle est toute neuve. Voilà. Et alors qu'elle n'est pas toute neuve, mais tu l'as refaite quand même. Voilà, donc cette voiture présente la caractéristique d'avoir une peinture qui commençait vraiment à s'effriter de partout. Donc j'avais deux solutions. La première, la refaire à neuf, brillante. Mais moi, c'est pas mon trip, c'est pas ce que j'aime. Donc du coup, j'ai fait ce qu'on appelle un trompe-l'œil. Donc tout a été fait avec de la peinture, de toutes les couleurs, bombe de peinture et chocolat. Et même des parties, c'est du chocolat qu'on vernit en mat par-dessus et ça donne un aspect comme si se pourrissait. T'aurais pu faire décorateur dans les films, hein ? J'en sais rien, mais bon, voilà ce que ça donne. Donc, du coup, l'intérieur va bien avec l'extérieur. Et cette voiture, il faut savoir qu'elle fait environ 20 000 km par an. Ah, quand même ? Entre 15 et 20 000. Ouais, t'as que ça pratiquement, toi, comme voiture. Oui. Ouais, c'est vraiment celle qu'on connaissait quand on était enfant. Voilà. J'ai connu, je suis monté étant enfant dans ces vieilles voitures et moi j'adore. Ah ouais. Voilà. Après, c'est un look, c'est un choix. C'est une 6 volts ça. 6 volts. C'est 6 volts. 425 cm3, 12 chevaux réels. Ouais, ben dis donc, encore tu roules bien avec. Bravo, merci. Bonne journée. Voilà, merci. Je vais continuer ma balade. Voilà, alors celle que je vous parlais tout à l'heure, il est là le patron, mais il est en train de téléphoner, sinon on aurait fait parler un petit peu, parce que 42 000 km, voilà, c'est un collectionneur, il en a plusieurs. Je crois qu'il vient de Bordeaux, et on va essayer de lui poser quatre questions s'il a fini. Et sachez quand même qu'à l'intérieur, ben, il a son lit, tout, et il est équipé, il a dormi dedans. Il a même la petite échelle pour monter sur le lit, là. Ah, hein, c'est tout... Et il a fait... Je peux vous parler ? On va aller de l'autre côté. Voilà, alors, vous êtes quand même un collectionneur un peu exceptionnel. Vous m'avez dit que vous êtes de Bordeaux déjà, hein ? Vous le savez. Ouais. Et vous avez fait 42 000 km avec cette deux chevaux. Alors, c'est avec la même, mais en berline. D'accord. Mais c'est pareil, j'ai le lit dedans, c'est pareil, elle est aussi en 4 roues motrices. Et ça fait 40 ans que je dors dans la deux chevaux de la Chine, oui. 40. Ah, oui, et j'ai dormi 4 mois et demi, effectivement. Ah. Voilà. Et alors, le ressenti après ? Le ressenti, ben, on n'est plus le même après qu'avant, c'est ça. C'est sûr, voilà. Déjà vous avez vu du pays. Et la deux chevaux mène à tout. Et je ne vous cache pas que je ne l'aurais jamais fait avec autre chose qu'une ou deux choses. Ah oui. Ah oui. Et peut-être même avec autre chose. Rien d'autre que la mienne. Voilà. On m'a dit que vous aviez quand même des deux chevaux de collection. Quand même. Ah, on vous a dit ça. Oui, on m'a dit que vous étiez un sacré collectionneur. J'aime bien les choses uniques. Uniques. Oui. D'ailleurs, nous allons aller ce matin au musée, on peut dire comme ça, de Denis Chira. Il en a deux à moi, dont une... qui a une terrasse et on conduit d'en haut. Ah bon ? Et quand je lui ai donné, elle marchait, cette auto. Ah il y a 4-5 ans que je lui ai donné ça. Et puis une grue aussi, faite avec une deux chevaux. Ah oui ? Ah oui, une grue avec une flèche et qui fonctionne. Bon, c'est gentil de vous être adressé. Voilà, merci de nous avoir accueillis. Moi aussi, je vous souhaite une bonne journée et surtout,
un bon rassemblement. Ben oui, moi aussi je vous le souhaite. Salut. Allez, voilà, je vous rappelle que nous sommes donc au Malzieu, là on est devant la salle des fêtes, il arrive des deux chevaux de partout, regardez la belle camionnette qu'il y a, comme on avait également, ça c'était des années 60 là-bas. Et là, on avait ça pour aller travailler. Alors on va faire le dos, vous voyez, celle-ci a de particularités, donc c'est le coffre à l'arrière, hein. Je crois qu'il y en a deux, j'en ai vu deux comme ça. Après il y en a qui sont un peu plus, chaque voiture est unique, mais chaque voiture est aménagée pour, là c'est une dame toute seule, voilà, qui a sa petite voiture, qui est arrivée ce matin aussi, en y couchant dedans. Ensuite, deux chevaux 6, beaucoup de deux chevaux 6. Voilà, l'ami 8. Encore des deux chevaux 6, des camionnettes. Alors la Cadiane, ici, voilà, qui est un petit peu spéciale, hein, mais moi j'adore, j'aime bien la Cadiane aussi. C'était un peu plus moderne, bien sûr, hein, les deux chevaux modernes à l'époque. Et celle-ci, elle est vraiment parfaite, hein. Super la Cadiane. Voilà, comme vous pouvez constater, donc il y a à peu près une centaine de voitures venues de la France entière aujourd'hui au Malzieu pour participer donc à cet AG et puis surtout pour vous les montrer, puis se promener à travers notre belle Lozère, et je crois qu'ils vont se régaler car il va y avoir du soleil. Ah, 60, vous venez du 60 vous? Oui. Ah ben dites-moi, hein. De l'Oise. De l'Oise, et vous êtes descendu avec ça, avec la deux chevaux? Oui, oh ben, ouais. On a fait je ne sais combien de pays, hein. On a les pays qu'on a fait. Ah d'accord, c'est tous les meetings qu'on a fait internationaux. Ah oui. Et de l'autre côté, c'est tous les pays qu'on a fait. Donc. Ah oui, quand même. Là, on se fait le plus bas qu'on ait fait, c'était... Mais il doit avoir quelques kilomètres alors. 240 et quelques minutes. Son moteur d'origine. Ah bon? 240 000, regardez ça, ça démarre, on dirait une montre. Mais il est mécano, non? Non, pas du tout. Pomme pas? Non, pas du tout. On dirait une montre, votre voiture. Là. Ouais. 240 000 km, non? Ouais. Ben, ben, bravo, en plus, elle est belle, une belle carrosserie et tout. Hein. Elle est un peu simple, ça, parce que la Pélaron. Oui, oui, ça. Eh ben, bravo, mes félicitations, et puis bienvenue donc en Lozère. Ah ben, vous allez voir des beaux paysages. Eh ben, on est content. Que vous n'avez jamais vu nulle part ailleurs. Allez. Alors bien sûr, il y en a de toutes les couleurs et de ces magnifiques deux chevaux qui ont fait toute notre jeunesse. Et bien elles sont là aujourd'hui, au Malzieu, esprit, pour vous, pour votre plus grand plaisir. N'hésitez pas à venir faire un tour, à venir regarder, venir discuter avec les collectionneurs. Là on a les PTT qui sont là exactement. La deux chevaux Cocorico, voilà, aux couleurs de la France. Alors ça c'est une deux chevaux de raid, hein. Vous voyez, elle a fait le Maroc, elle a fait le raid de la Deudeuche Tonon Cap Nord, le raid Corsica. Et déjà, c'est la voiture un peu plus équipée. Hein. Et ici, celle-ci, alors là, elle est magnifique. Hein. Regardez ça. Ah, oh, superbe. Ça, c'est aménagé. Hein. Ça ressemble même plus à une de chevaux, tellement. Et pourtant, encore, il en reste un petit peu. Et voilà, vous voyez que ça se gare, impeccable. Belle couleur bleue, encore une voiture, une deux chevaux qui a dû faire des raids là. Et de nombreuses balades. Bien équipée de la Sibi, comme à l'époque. Cadiane. Alors là, sa mécanique, ça parle mécanique, on va aller voir un petit peu. Ben, je vous aurais fait faire le tour de ces deux chevaux. J'espère que vous allez prendre 5 minutes dans votre week-end pour venir nous rejoindre. On va aller voir s'il y a un moteur d'ouvert. Allez, laisse, je pense que vous allez prendre le petit déjeuner. Hein?
Alors pourquoi elle est malade celle-là? Attendez, attendez, fermez non, pas. Non, fermez non, pas. C'est pas une maladie, c'est simplement voir si contrôle si tout va bien. Alors ouais. La grande épreuve, hein, parce que ça va être une épreuve là. Hein. 150 km en première, deuxième pour suivre le tout le temps. Non, ça va être c'est dur. Pas vrai, hein. C'est pas vrai. Voilà, non, c'est pas vrai. Voilà, alors ça, celle-là, c'est quelle année? C'est 1966. Ouais. 1966. Ouais, d'accord. Voilà. Super, bon son jus, impeccable. Ouais. Très très belle de chevaux. Voilà, merci. Hein. Pas sur les pantalons. C'est pas grave. Ils seront vite noirs les pantalons. Bien, eh bien moi je vais vous laisser. Alors les chauffeurs, les voitures sont là, les chauffeurs sont en train de prendre le petit déjeuner à l'intérieur. Et voilà, donc n'hésitez pas, venez au Malzieu, on vous y attend, c'est ouvert à tout le monde, vous allez pouvoir prendre des photos de ces deux chevaux, et croyez-moi, il y a la collection entière, plus de 100 voitures qui sont venues, et il en arrive toujours, hein, 100 voitures qui sont venues de la France entière aujourd'hui, pour cette belle journée de la deux chevaux. C'est 3 jours de chevaux et ils sont là jusqu'à lundi, donc vous pouvez venir au Malzieu, vous les verrez très certainement dans notre pays, en train de passer et de repasser, puisqu'on va les voir sur l'Aubrac cet après-midi, comme nous disait Didier Boulet, les dernières prises de vue. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt, donc prochaine émission. Je pense que cet après-midi, sur l'Aubrac, là-haut, à Bonnecombe, je vous ferai un petit direct. A plus.